France va accorder à la Centrafrique une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ce pays en proie à la violence et à l'instabilité, annonce à Bangui du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. En RDC, 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la 10e épidémie d'Ebola dans l'est du pays, ce qui porte désormais le nouveau bilan à 180 morts selon les autorités sanitaires congolaises. Et puis à Madagascar, les électeurs doivent se rendre aux urnes le 7 novembre prochain pour élire leur nouveau président. Les enjeux de ces élections présidentielles sur la Grande Île sont multiples. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La France va accorder à la Centrafrique une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ce pays en proie à la violence et à l'instabilité. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'était lors d'une conférence de presse à Bangui où il était en visite depuis jeudi. Les images. Des conventions d'aide de 24 millions d'euros en 2018 ont été signées par la France et la Centrafrique. Un montant qui devrait permettre au gouvernement centrafricain de payer des arriérés de salaire et de retraite, de développer les territoires proches du Cameroun, touchés par d'importants déplacements de population, et d'installer des ponts afin de désenclaver plusieurs régions. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui était arrivé à Bangui jeudi et qui a procédé à la signature de cette convention, a également annoncé lors d'une conférence de presse que Paris allait bientôt livrer des armes à Bangui, en l'occurrence 1400 fusils d'assaut destinés à équiper les forces armées centrafricaines. Le ministre français des Affaires étrangères a lors de cette visite réaffirmé la position française selon laquelle il n'y a pas d'alternative à l'initiative africaine de paix en Centrafrique. En effet, la médiation parallèle initiée par la Russie, de plus en plus présente en Centrafrique, est mal vue par la France. Celle de l'Union africaine, lancée en juillet 2017 et soutenue par l'ONU, ainsi que par les principaux partenaires de la Centrafrique, est cependant critiquée par des diplomates et des observateurs pour sa lenteur et son manque d'efficacité. En République démocratique du Congo, 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la 10e épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays, ce qui porte désormais le nouveau bilan à 180 morts selon les autorités sanitaires congolaises qui ont rendu public un bulletin ce vendredi. Les détails. Selon le bulletin du ministère congolais de la Santé, daté de jeudi et rendu public ce vendredi, au total 285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 250 confirmés et 35 probables. Le nombre de morts est également monté et est passé à 180 en 4 jours. Le 28 octobre dernier, le bilan actualisé faisait état de 170 décès en Ituri et dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, où des résistances communautaires avaient entravé le bon déroulement des opérations de riposte, selon les autorités. Depuis le début de la vaccination le 8 août dernier, 25 336 personnes ont été vaccinées, dont 13 326 à Beni. Les autorités sanitaires ont également annoncé que la gratuité des soins était effective dans 3 zones de santé de Beni depuis le 20 août dernier, promettant de l'étendre à l'ensemble des aires de santé de la zone de Beni. Mi-octobre, les autorités congolaises avaient déclaré faire face à une deuxième vague de l'épidémie de la maladie à virus Ebola d'une ampleur non déterminée à Beni, dans le Nord Kivu. À Madagascar, les électeurs doivent se rendre aux urnes le 7 novembre prochain pour élire leur nouveau président. Les enjeux de ces élections présidentielles sur la Grande Île sont multiples. Il s'agira de consolider la démocratie malgache d'une part et de régler les rivalités politiques par la voie des urnes d'autre part. Je vous propose d'écouter l'analyste Saoundra Rabinarivo. Elle est politologue à l'Observatoire de la vie publique à Madagascar. Je pense que même par rapport à 2013, que les enjeux de ces élections de 2018 sont plus importants encore, parce qu'il s'agit d'une part de la consolidation de la démocratie, il s'agit aussi de régler les comptes de 2009, une bonne fois pour toutes, par la voie des urnes, parce que bien évidemment, il y aura un troisième.
Et il sera extrêmement important, d'abord, que le résultat soit crédible et que l'écart entre le deuxième et le troisième ne soit pas trop petit. Et que le troisième accepte d'être troisième. C'est vrai que ça prend du temps, il y en a qui sont très impatients, mais je vois ça, tout ça comme étant quand même positif, et qu'à l'élection prochaine, parce qu'en 2013, il n'y avait pas de programme, il n'y avait aucun programme. En 2018, il y a au moins une tentative de présentation de programme. En 2023, je crois, peut-être, enfin, on y arrivera. Pour la première fois en Éthiopie, une femme a été élue à la tête de la Cour suprême fédérale. Mehaza Ashnafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était jusque-là connue comme une brillante avocate et une féministe engagée. Pour la première fois, le Parlement éthiopien a désigné ce jeudi, lors de sa quatrième session ordinaire, une femme à la tête de la Cour suprême, le dernier poste en date d'une série de nominations de femmes à de hautes fonctions. La nomination de Mehaza Ashenafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait suite aux décisions en octobre du Premier ministre Abiy Ahmed de désigner une femme à la présidence du pays et, dans son gouvernement de 20 ministres, de donner la moitié des portefeuilles aux femmes. Le nom de l'avocate et militante des droits des femmes, Mehaza Ashenafi, a d'ailleurs été proposé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Ancienne juge de la Haute Cour, Mehaza Ashenafi a participé à la rédaction de la Constitution éthiopienne. Elle a également fondé l'Association des femmes avocates éthiopiennes. En 2003, Mehaza Ashenafi a reçu le Hunger Project Award, dont le but est d'éradiquer la faim dans le monde. Nominée pour le prix Nobel de la paix en 2005, elle a contribué à la mise en place de la première banque dédiée aux femmes en Éthiopie, Enact Bank. Des villageois dans le nord-est du Nigeria sont en deuil. Ils ont été victimes d'attaques menées par les djihadistes du groupe Boko Haram, des attaques au cours desquelles les islamistes ont tué au moins 12 personnes. Reportage. Arrivés à bord de 7 camions, les djihadistes du groupe Boko Haram ont attaqué ce mercredi soir les villages de Boulabouring et Kofa, ainsi qu'un camp de déplacés à la sortie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste. Selon des témoins, l'attaque a commencé aux environs de 21h GMT dans le village de Kofa, où les djihadistes ont ouvert le feu sans distinction, tuant une personne tandis que les habitants fuyaient. Ils se sont ensuite rendus à Boulabouring, un village voisin où ils ont abattu 9 personnes et incendié le village après avoir volé de la nourriture. Dans le camp de personnes déplacées de Dalori 2 qui abrite 10 000 personnes, des échanges de tirs ont opposé les assaillants et les soldats et miliciens. Les insurgés ont ensuite tiré des roquettes sur le camp et incendié des abris de fortune, faisant fuir les déplacés, dont 2 ont été tués et plusieurs blessés. Notre peuple est vraiment confronté à des problèmes. On ne peut pas parcourir une distance de 3 km pour mener des activités normales parce que Boko Haram a encerclé ces zones et surveille chaque mouvement. Nous apprécions vraiment les efforts déployés par les forces de sécurité dans leur lutte pour rétablir la paix, mais nous devrions tout de même faire encore davantage pour améliorer la paix et la tranquillité. Le lieu des attaques, situé à une quinzaine de kilomètres de Maïdougouri, a été pris pour cible à de nombreuses reprises par Boko Haram. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009, plus de 27 000 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées. Ouvrons un registre société dans cette édition. Au Bénin, la diaspora fait du social. L'association des Béninois de l'Illinois est allée offrir des kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique de Akpakanma Benopo. Plus de précisions à travers ces images.
L'Association des Béninois de l'Illinois poursuit ses actions sociales au profit de l'éducation béninoise. Après l'école primaire de Serro Djigbé, c'est au tour des apprenants de l'école primaire publique de Akpakamé, Gbenokpo, de bénéficier de matériel scolaire envoyé depuis les États-Unis dans le but d'amoindrir leurs difficultés au cours de l'année scolaire. Les membres du bureau de l'Association des Béninois résidant dans l'État d'Illinois, avec à sa tête le président Gani Ougassikia, a décidé cette année de venir en aide à la jeune génération parce que vous savez, la base de toute chose est dans l'éducation. Et c'est dans cette lancée que l'association a décidé cette année de venir en aide à ces âmes innocents afin de pouvoir assister les parents. Un geste salué par les récipiendaires. Nous sommes convaincus de l'intérêt que vous portez à l'éducation des enfants de l'école primaire publique d'Akpakamé Gbenokpo. Nous, enfants qui représenterons les adultes de demain, et pour recevoir une éducation de qualité, nous, enfants, devons avoir un certain nombre d'outils pour participer à la construction de notre propre savoir. C'est cela que vous avez compris en mettant à notre disposition ces kits scolaires. Je vous remercie pour ce geste que l'Association des Béninois résidents à Chicago vient de faire un endroit des apprenants de l'école primaire publique d'Akpakamé Gbenokpo. Et je souhaite que l'association continue à nous aider pour le développement du milieu en général. À l'issue de la cérémonie, les élèves de l'école primaire publique de Akpakamé Gbenokpo ont promis à leurs bienfaiteurs de faire bon usage des fournitures scolaires qui leur ont été remises, au nombre des biens offerts, des sacs à dos, des stylos ou encore des cahiers. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.